Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Comme toujours, on est ici pour apprendre la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? Tu ne m'écoutes jamais. Aujourd'hui, on apprend nos jamais. Regardez ces exemples. On n'a jamais pris le métro. Il ne va jamais voyager à l'étranger. On n'allait jamais à la mer. Il ne ment jamais. Vous connaissez la signification de nos jamais? Nos jamais. Nos jamais, c'est la négation de toujours, parfois, souvent et quelquefois. Regardez ces exemples. Vous allez parfois au cinéma? Non, nous n'allons jamais au cinéma. Il change toujours son numéro de téléphone? Non, il ne le change jamais. Donc, quand on a toujours, parfois, souvent et quelquefois dans une phrase positive, dans la phrase négative, on peut utiliser nos jamais. Il y a quelques exemples ici. Il écoute toujours la radio? Non, il n'écoute jamais la radio. On a pris le métro? Non, on ne l'a jamais pris. Tu fais souvent du vélo? Non, je n'en fais jamais. Vous allez voyager parfois à l'étranger? Non, nous n'allons jamais voyager à l'étranger. Il y a d'autres exemples? On allait quelquefois à la mer? Non, on n'allait jamais à la mer. Il ment toujours? Non, il ne ment jamais. Vous avez souvent mal à la tête? Non, je n'ai jamais mal à la tête. Il danse parfois? Non, il ne danse jamais. Voilà, c'était nos jamais. C'était facile, n'est-ce pas? Dans le vidéo suivant, vous pouvez répondre à quelques questions sur nos jamais et vous entraîner mieux. Et comme toujours, n'hésitez pas à écrire vos avis et vos questions dans les commentaires. Je les attends. Bonne chance!